Bonsoir et bienvenue à toutes et tous en direct sur webgirondin.com pour le débrief à chaud de ce match entre Annecy et les Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui perd sur le score de 3-1. Le but bordelais marqué par Livolant pour 2 buts de Camara et 1 but de Candil pour Annecy. Les amis, on a besoin de force là pour faire ce débrief. Donc un petit like si vous êtes sur YouTube, ça nous aiderait énormément. Si vous êtes sur Facebook aussi, on est aussi diffusé sur Twitter, sur X. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte, à repartager la vidéo et à donner votre avis aussi en commentaire. Je pense que je dois voir les commentaires sur X. J'accueille Secta avec nous et je vous présente toute l'équipe. Bonsoir Jonathan D'Agostino. Bonsoir, je vois les commentaires de X sur le chat du coup. Donc, ah, tu les vois? D'accord. Ouais, bon, sur, sur X, pas de ah, X. Ah oui. Tiens, ouais. Salut Laurent. Salut Laurent qui est avec nous. Salut Laurent. Voilà. Merci. Non, mais... Salut Lionel. Salut Jérémy. Bonsoir Joe. Ben, bonsoir à tous. Hein. Bon, on va essayer de rester calme et de parler. Essayer de rester sur l'aspect sportif, mais c'est vrai qu'effectivement. Sur l'aspect analytique, soir... on va dire. Ah, mais c'est vrai que ce soir. Pas facile, hein. Non, et puis pas surpris de ce qui s'est passé ce soir. Je pense qu'il y a quelque chose qui a lâché de toute façon là au niveau du Girondin de Bordeaux. Ouais, on l'avait dit lundi, je vous l'avais dit que je sentais que ça avait lâché depuis 15 jours. On craignait quelque chose effectivement et tous les échos qu'on a vus cette semaine voilà, n'étaient pas dans le bon sens. Et on voit que la Ligue 2 aussi veut se taper le Girondin de Bordeaux, pas parce que c'est le Girondin de Bordeaux, mais plus par l'image qui est dégagée par certaines, et aussi parce que certaines personnes dégagent une image qui n'est pas top. Donc voilà. Bon, on va en parler. Mais c'est pas surprenant ce qui se passe. Tout était bien préparé pour, en tout cas. Voilà. Salut Johan, bienvenue. Salut les gars. Salut les socios. Ce club qui part en misère. Salut Joris, bienvenue à toi. Salut messieurs, salut tous les passionnés. Pas facile ce soir, hein. Je pense qu'on a atteint l'apogée du système RIRA, là. Ce soir. Ouais, et c'est plus large même que le système RIRA. Salut Secta, bienvenue à toi. Salut les amis, salut aux sociaux. Bonsoir.
Débriefons. Bienvenue, on va débriefer. Non-match à Annecy, 3 buts à 1. C'est vrai que Bordeaux est toujours 13e, hein, si je ne me suis pas trompé au classement. Je crois. Ouais. Ça. Ouais, on reste 13e. Bon, Dunkerque, c'est devant, Nico ? Alors, Dunkerque revient à notre hauteur. Et non, 33 points. Attendez, est-ce que ça vous dit qu'on regarde le classement tout de suite pour évacuer le point comptable ? Ouais, ouais. Ça se dégage en haut et ça se resserre beaucoup, beaucoup en bas. Moi, voilà, je vais vous mettre le classement pendant que tout le monde se connecte. Voilà. Alors, je suis en train de vous l'afficher. Parce qu'on... Les quatre premiers, on fait un petit trou. Je crois qu'il y a 5 points d'écart entre le 4e et 5e. Je crois que c'est Laval sur Rodez qui est 5e. Il y a 5 points d'écart, si je ne dis pas de bêtises, c'est 43 et 48. Et je sais que derrière, ça s'est resserré parce qu'Annecy a gagné une place. Je pense que c'est devant Quevilly, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on va faire le point classement, puisqu'il ne reste plus que 9 matchs. Hein. Donc, on va faire ce point classement. Comme ça, après, on évacue le point classement. Regardez, ça va s'afficher sur votre écran. Comme ça, toutes celles et ceux qui sont connectés, vous pouvez le voir avec nous. Allez-y, envoyez du like et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube, puisqu'on a passé 12 900 abonnés. Donc on s'était fixé les 13 000 abonnés avant la fin de saison. Alors, le classement, le voilà. Donc, on a Bordeaux qui est 13e avec 37 points. La place de premier relégable, c'est Concarneau qui a 33 points. Égalité avec Bastia, 33 points. Donc, Bordeaux a toujours 4 points d'avance sur ces deux clubs que Bordeaux va affronter dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, Bordeaux va affronter Dunkerque, Bastia et Concarneau. On a quand même fait match nul face à Annecy, face à QRM, et on a perdu à Annecy chez le 18 et le 19e. C'est quand même à noter. Et Rodez qui s'empare de la 5e place. Donc Bordeaux, voilà. Je pense et Grenoble est 10e. Hein. Grenoble est 10e. Et Grenoble, c'est à la 10e place. Voilà. Voilà. Et devant, pour en faire un point classement, c'est puisque tous les matchs se sont joués aujourd'hui, c'est vraiment Auxerre qui se dirige vers un titre de champion de Ligue 2, même s'il reste 9 matchs. Ils ont 5 points d'avance sur Angers. Et Angers et Saint-Etienne au coude à coude. Et on voit que Saint-Etienne peut revenir sur Angers pour accéder directement à la Ligue 1 sans passer par les barrages. Voilà. Ouais, Angers a perdu à domicile contre Amiens ce soir. J'ai entrevu très sincèrement Angers. Il y a quand même des choses qui sont inquiétantes depuis plusieurs matchs. Ouais. C'est ce qui fait que ça se resserre un petit peu et que. Il y a encore des chances, effectivement, pour Saint-Etienne, voire Laval. Derrière, on voit que ça se détache un petit peu quand même. On sent qu'il y a un creux qui est fait et que les quatre premiers devraient partir pour jouer là. Donc, il reste 8 points. Il faudrait que Bordeaux ait 45 points pour assurer sa place en Ligue 2 l'année prochaine. Il reste 9 matchs. Voilà, prochain match, c'est Paris FC. Donc, un concurrent point par direct. Pardon ? Non, je dis, ça fait un point par match. Il faut gagner maintenant. Il faut gagner des matchs. Il faut gagner des matchs. Voilà pour le point classement. Messieurs, vous voulez réagir sur le classement ? Quelqu'un souhaite dire un mot ? Secta, Joris, Johan ? Ouais, moi je trouve assez révélateur de l'ambiance et de l'attitude actuelle et en fait de l'attitude des joueurs sur le terrain. C'est-à-dire tu gagnes, tu perds. On est toujours englué à cette 13e place. Ce qui fait que on peut pas se projeter au-dessus. Et ce qui fait que paradoxalement, tu as tendance à te dire je m'inquiète pas. Par rapport à en dessous, enfin, pas pour moi, hein, puisque moi je parle déjà de maintien depuis décembre, janvier. Mais au final, peu importe les résultats que tu as, tu es toujours 13e, tu es toujours à 4 points de la 17e place. Et c'est peut-être là où c'est compliqué pour les joueurs pour Yera de switcher en mode maintien, quoi, parce que cette 13e place, elle est un peu illusoire. Quoi. Oui, ben pourtant, s'ils ne switchent pas en mode maintien là, on a de quoi s'inquiéter quand même. Hein. Bah c'est pas ce qu'on a vu ce soir et on a clairement vu la différence avec un Annecy qui a complètement switché en mode maintien, un QRM aussi. On voit tellement de différence d'engagement entre ces équipes relégables et nous, c'est hallucinant. C'est que tu as un mot sur ça ? C'est toujours dans la même lignée de ce qu'on voit depuis un certain temps, c'est-à-dire beaucoup de paroles, peu d'actes, beaucoup d'attitudes, de gesticulations, mais pour finalement arriver à des résultats assez médiocres. Franchement, j'ai le même sentiment qu'on avait en Ligue 1 en plus maintenant, ça commence à être super inquiétant, c'est-à-dire qu'on se disait « mais non, c'est pas possible, c'est pas ce qui est en train de se passer, c'est pas possible ». Et finalement, alors je suis pas en train de dire que je suis en train de paniquer pour la descente, mais force est de constater que on glisse, quoi. On glisse. Ah oui, et puis quand tu vois les performances des joueurs, tu te dis, oula, il y en a, ils sont déjà en vacances, quoi. Pourtant, on est comme ça. Je ne sais pas si c'est ça vraiment, mais je crois que.
à l'image, c'est quelque chose dont j'avais parlé dès le mois d'octobre dernier. J'avais dit que si ça continuait comme ça, on perdrait des mecs. À l'image de Diaz, tout est en train de sombrer. Diaz est absolument au septième sous-sol depuis à peu près un mois et demi, deux mois, même si il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et je trouve que le club est à l'image d'un gars comme Diaz, c'est-à-dire que on ne sait pas trop, on ne peut pas dire qu'il n'est pas volontaire ou quoi que ce soit, mais rien ne va. Rien n'est bon dans ce qu'il fait. Et rien, et le club, c'est pareil. Rien n'est bon, rien ne fonctionne. Il n'y a rien. Je finis par penser qu'il y a une forme de karma qui s'abat sur ce club et qu'on récolte ce qu'on sème quelque part à tous les étages. Et ça ne concerne pas que les garçons. Tiens, message de Damien Michelina, un nom qui est bien connu hein, du côté de Bordeaux. Je ne sais pas si c'est de la même famille, qui dit « Franchement, je supporte ce club depuis que j'ai 4 ans, j'en ai 29, et là, c'est trop. J'en peux plus de ce club aujourd'hui sans âme. » Et certains supporters avec des comportements scandaleux. Petit message d'Alice Sebego, qui est socio, qui dit « Week-end difficile pour le scapulaire. » Et oui, parce que les filles, en perdant face à Dijon cet après-midi en match de Den Arkema, signent directement leur... Leur descente. Elles ont 8 points de retard à 5 journées de la fin sur le premier non relégable, il faudrait qu'elles gagnent tout alors qu'elles n'arrivent pas à gagner un match, très peu, et elles vont jouer à Lyon en plus en course ces 5 matchs. Donc on peut se dire qu'il y a déjà la D1 Arkema qui se dirige l'équipe féminine vers une descente historique. Hein. Peut-être la disparition de la section, hein, on ne sait pas. Je ne sais pas. Merci aussi à la direction, encore une fois. Quelle honte, nous dit Stevie, Cristiano Ronaldo, salut Cristiano, qui nous dit Michelin, j'en peux plus, la réserve va descendre aussi. Oui, la réserve est relégable aussi, oui, tout à fait. Elle est en position de relégable avec 8 points de retard sur le premier non relégable, si je dis pas de bêtises. Vincent Garça qui nous dit quelle faillite, c'est la faillite du système Lopez. Ouais, en quelque sorte, hein, bien c'est sûr, hein, c'est eux qui dirigent le club, donc c'est eux qui sont responsables aussi des résultats, hein, sont les premiers responsables. Voilà, donc pour quelques messages, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Je surveille aussi les réactions, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des réactions sur les réseaux, notamment celle du coach, qui est toujours intéressante. Allez, on commence par tourner, on fait en sens inverse. Joris, quel est le point, toi, si tu as un point que tu veux développer dans ce match, c'est lequel, un ou deux? Ouais, c'est le côté insipide et sans âme de cette équipe, c'est ce que j'ai vu aussi dans le chat. Vraiment affligeant ce soir. Et je me sens en lien avec la volonté de Riera de faire jouer cette équipe un peu de cette façon. Autant sur les dernières semaines, ça rapportait quelques points et je me disais bon, pourquoi pas dans l'optique du maintien, c'est toujours bon à prendre et on repassera un peu sportivement. Autant là ce soir, je trouve qu'on a atteint un point dans le sens où c'est hyper scolaire, c'est froid. J'ai l'impression qu'il y a 11 robots sur le terrain et ça colle à l'image de ce que veut faire passer Riera en fait, c'est-à-dire du protocole, de la procédure. Il l'a redit encore en conférence de presse. Oui, je veux bien que les joueurs soient un peu créatifs, etc. Il parlait du 2 contre 1 ou du dribble. Oui, mais alors si c'est dans le dernier tiers du terrain, quand on est haut, et si c'est en 1 contre 1, sinon il doit faire la passe derrière. Et en fait, j'ai l'impression que c'est que ça à Bordeaux. C'est-à-dire, dans cette condition-là, il faut faire ça. Si c'est comme ça, tu joues là. Et il n'y a plus aucun libre arbitre chez les joueurs, il n'y a plus aucune possibilité de créer quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il veut mettre en place des algorithmes dans la tête de chaque joueur et que ça lui irait très bien, Riera, si c'était que des intelligences artificielles sur le terrain qui puissent programmer des données dans la tête de chacun pour leur dire, dans ce cas-là, option A, tu fais ça, option B, tu fais ça, option C, tu fais ça. Et c'est que ça. Et je pense aussi que c'est pour ça, c'est que tu as en parlé, que certains mecs sont perdus sur le terrain, comme Diaz. C'est plus un joueur d'instinct, c'est plus un joueur de spontanéité, c'est plus un créatif. Et je pense qu'il est très largement bridé par ce que veut mettre en place Riera, au-delà des faiblesses peut-être techniques qui sont sur ce terrain, mais parce que ce mec n'a plus confiance en lui, il n'a plus confiance en ses choix. Il est bridé, il doit faire ce que lui demande le coach, il doit faire ce qui est établi tactiquement. Et on a perdu au final de l'humain sur ce match.
notamment et depuis quelques semaines. Et en fait, c'est ça qui me rend le plus triste, vraiment. Sur, j'ai pas vu 11 joueurs de foot. J'ai vu 11 robots aujourd'hui, 11 plus les entrants. J'ai vu des robots qui se cherchent, qui jouent selon un plan établi, mais pas des mecs qui en veulent. Et le décalage avec Annecy était flagrant sur des mecs qui sont arrivés le couteau entre les dents et qui le sont déjà le couteau entre les dents depuis plusieurs matchs face à 11 mecs qui face à 11 robots. Ouais. C'est ce que j'ai vu ce soir. C'est intéressant ce que tu dis, le côté humain qui n'est plus présent, pas d'âme, quoi. Une équipe sans âme, quoi. Robotique, complètement. Et sans dépassement, complètement. De soi, sans générosité. Je pense que dans le management, pourtant, il fait certaines choses, Riera. Tu vois qu'à l'entraînement, voilà, il est assez paternaliste, tu vois, qu'il protège ses joueurs en conférence de presse. Mais dans l'approche tactique, sur le terrain, il ne veut plus ça. Il veut tout contrôler, en fait. Il veut enlever tous les paramètres humains sur le carré vert, quoi. Et c'est pas possible, et ça reste un jeune entraîneur, j'espère qu'il va évoluer, mais pour l'instant, c'est pas possible de jouer comme ça. Merci Joris. Secta, donc on a noté ce point-là qu'on pourra développer après avec l'avis des autres chroniqueurs. Qu'est-ce que toi, s'il y a un point que tu veux développer ou deux, ça serait lesquels ? Je vais rester sur la même ligne que j'avais développée la semaine dernière, qui est que, comme on l'a vu dans les 15-20 premières minutes, d'ailleurs, ça a même été dit, c'est marrant, dans les commentaires des journalistes en direct. Tu ne peux pas exister dans cette Ligue 2 si ton seul objectif, c'est le contrôle du ballon. Juste contrôler le ballon, ça n'amène à rien. Il ne se passe rien, en fait. Il y a un préalable d'engagement. Il y a un préalable d'engagement qui est rédhibitoire. Et Bordeaux est en échec par rapport à cet engagement. Et surclassé, dépassé, se fait marcher dessus en termes d'investissement, d'intensité, par quelque équipe que ce soit, en fait, maintenant. La preuve en est, sur l'avant-dernier et l'antépénultième, on prend un point. Même Rodez, hein. Et même, mais bon, Rodez... Inclure Rodez, hein, dedans, fait match nul. Ouais, mais je veux dire, voilà quoi. Sur l'avant-dernier, je parle juste, l'avant-dernier, l'antépénultième, on est à un point. Le Paris Saint-Germain de la Ligue 2. On est à un point. Et ces équipes-là ne nous battent pas parce qu'elles ont dans leur équipe Cristiano Ronaldo ou Messi. Ils nous battent parce que dans leur équipe, il n'y a que des mecs en grinta, quoi. Il n'y a que des mecs à grinta. Et voilà. Et on est tout le temps dépassé, débordé. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Quand la défense tient, l'attaque ne marque pas. Quand l'attaque marque, la défense ne marque. Ne tient. Il ne se passe rien, en fait, à aucun niveau. Et ceux qui pouvaient éventuellement surnager sont tirés vers le bas par l'ambiance générale, je dirais, le marasme général, ce qui est très humain. Hein. Ce qui est très humain, même ceux qui voudraient surnager vont être tirés vers le bas, puisque la dynamique générale du club est une dynamique de bateau qui coule. J'imagine que humainement, ça va être assez difficile à vivre pour certains, parce qu'effectivement, ça prend l'eau de toutes parts. Ça prend l'eau de toutes parts, jusqu'à ce que le coach finisse maintenant par invectiver tout le monde. Et je pense, moi, de ce que je ressens de tout ça, même en étant à distance, c'est que je pense que l'ambiance doit être délétère. Et que malgré le fait qu'on essaie de maintenir par de la com une forme d'unité générale, d'un truc général, je ne dis pas qu'ils sont en train de s'embrouiller dans le groupe, mais je pense que l'ambiance générale est pesante et que, à commencer par la direction qui a fui, c'est-à-dire en termes de présence, il n'y a personne, donc ils ont fui. Ensuite, ceux qui sont présents au club sont certainement dans un état de nerfs ou de stress ou de mauvaises vibes telles que ça voilà, il n'y a plus rien. Ça part à volo. Moi, c'est l'impression que j'ai. Moi, c'est intéressant. C'est plus une impression, un sentiment. Tiens, j'affiche juste le message avant de te donner la parole, Johan, de Franck Charbonnel qui dit une question. Y a-t-il une solution interne au niveau entraîneur pour remplacer Riera et sauver le soldat Bordeaux ? Écoute, je ne crois pas qu'il y ait un entraîneur qui ait les diplômes pour entraîneur Ligue 1. Après, tu peux entraîner sans les diplômes. Il y en a sans de le fait. Ça coûte cher. Mais tu as des amendes.
Ça coûte cher et on n'a pas d'argent. Quoi, le club, j'ai dit, le club n'a plus d'argent. Donc, voilà, mais il n'y a pas de solution, puisque je ne crois pas qu'Erwan Lanuzel puisse prendre l'équipe. Romain Ferrier, faire revenir je ne pense pas. Blackheart, je ne pense pas. Donc voilà, le seul qui aurait pu le faire, c'était Mathieu Chalmé, qui a ses diplômes pour entraîner. Mais ils l'ont dégagé, il n'a pas été reconduit, il était sur le banc du FC Annecy ce soir. Johan, est-ce que quel point toi tu souhaites développer? Est-ce que c'est plus individuel? On a vu que c'était sur du sentiment général pour Sektar. On a Joris, c'est plus lui sur une équipe sans âme. Toi, c'est quoi ce que tu veux développer? Moi, il y a deux points que je veux développer. C'est déjà l'arrogance et de Riera. Parce que franchement, j'écoute ses conférences de presse, j'écoute un peu à chaque fois quand il parle, c'est quand même limite quoi, quand il sera sans être vulgaire, quand il sera un tweet en disant les supporters n'ont pas le droit de siffler quand une équipe joue comme une purge la semaine dernière, c'est pas possible. Ça t'a pas plu? Donc, ça. Voilà. Ça m'a pas plu. Moi, ce qui me plaît pas, c'est qui me plaît pas dans son discours à Riera, c'est qu'il compare Bordeaux à Barcelone, Real Madrid. Enfin, à un moment donné, faut arrêter. À un moment donné, on est une équipe de Bordeaux, quoi. On n'est pas le Real Madrid, Barcelone. On n'est pas en Espagne. Quand on écoute, t'as cinq entraîneurs. Il nous parle de cinq entraîneurs qui jouent avec des champions. Non, mais à un moment donné, arrête, quoi. C'est voilà, t'es à Bordeaux, on veut que ça joue simple et compagnie. Après, moi, je vais être honnête. Le deuxième point qui est très inquiétant, c'est que je voudrais aborder, c'est par rapport à l'équipe. Est-ce que franchement, vous croyez que cette équipe peut se maintenir? Est-ce que est-ce que ces joueurs sont capables de se maintenir? Moi, je n'y crois vraiment pas, parce que vous écoutez tous les discours, que ce soit en conférence de presse, que ce soit des joueurs, mais ils croient encore à la cinquième place. Mais à un moment donné, les joueurs, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. On est à 4 points du relégable. On n'est pas capable de battre Annecy. On n'est pas capable de battre QRM. On a un jeu qui est quasiment pitoyable, comme dit Sekta, horrible. Parce que y a rien. Il n'y a rien. Franchement, aujourd'hui, on n'a rien eu en occasion. On se fait avoir en transition. Enfin voilà, quoi. À l'entraînement, je me demande ce qu'ils font. Enfin voilà, moi je suis désolé. Diaz, oui, Diaz, c'est vrai que c'est l'ombre de lui-même, mais c'est pas que lui. Il y a pas que lui. Il y a Westbeck, il y en a un paquet. Puis là encore ce soir, Riera, il a encore changé toute sa composition d'équipe. Il a mis les volants en attaque. Il met Delima, qui est pas un arrière gauche. Donc voilà, on voit aussi la limite de notre club. On voit les limites de l'effectif. Voilà. Mais ça, on pourrait dire qu'une chose, merci la direction. Une direction qui est incapable de diriger, incapable de dire la stricte vérité de ce club, qui est au fin fond du classement depuis quand on était en Ligue 1, là on est en Ligue 2. Moi, franchement, ça, c'est très très inquiétant, quoi. Merci Johan. On va en parler. Joe? Qu'est-ce que tu retiens, toi? Peut-être plus sur le sportif, sur le match? On n'a personne qui a retenu le match. Tout le monde a retenu un peu du global ou... Non, mais quand tu regardes en fait le match de ce soir, comme je l'ai dit, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a lâché. Et, c'est à l'image de voir des joueurs sans conviction et surtout qui semblent tellement usés par ce qui se passe et par ce qu'ils font, en fait, du coup, que tu vois, quand tu vois Barbé en second mi-temps qui te rate 2-3 relances et tout, tu vois qu'il y a un tel ras-le-bol, en fait, du coup, dans ce qui se passe et dans ce qu'ils vivent et de ce qu'ils nous font vivre, en fait, du coup, qu'ils sont tellement impuissants, ils ont tellement plus d'envie, ils ont tellement plus d'idées, tellement plus de convictions à ce qu'ils font, que ça s'est effondré, et c'était logique face à une équipe qui met juste un peu d'intensité, qui a un bloc médian. Annecy a juste réussi à reproduire ce qu'ils ont bien fait le week-end d'avant. Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant le week-end d'avant, alors que c'était un peu compliqué pour eux. Du coup, première victoire à domicile pour Annecy là, depuis le début de l'année. Là, je crois qu'ils ont gagné qu'un ou deux matchs depuis le début de la saison. Annecy, à c'est la deuxième vie. Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'ils enchaînent deux victoires consécutives. C'est ça. Déjà, ouais. Et c'est la première victoire de l'année à domicile pour eux. Donc, ça montre bien qu'on était la victime parfaite. Comme je l'avais dit, dans mon descriptif lundi, j'ai dit on est l'équipe, enfin, Annecy est l'équipe parfaite pour le jeu de Riera, mais on est aussi l'équipe parfaite pour l'idée de jeu de Laurent Guyot. Ben, tactiquement, c'est Laurent Guyot qui a gagné. Tactiquement, je ne sais même pas si c'est le mot, mais en tout cas, il a bien mis en place son truc.
Il a fait 2-3 changements, mais le système était le même que le match précédent. Il a juste dit à ses joueurs, on va aller chercher, on met de l'intensité et on va profiter de leurs erreurs. C'est parfaitement ce qui s'est passé, comme souvent quand les équipes nous affrontent de toute façon. Et moi, ce que je trouve inquiétant, c'est effectivement ce que... Voilà, le manque de réaction, le manque de cette fatalité qu'il y a eu et de voir un Rira même limite prostré à un moment donné, ça me rappelait un petit peu ce qu'on critiquait chez Guillon au moment de la descente et en début de saison, quoi. Très sincèrement, tu vois très bien que le changement de coach, ma crainte était là, c'est que ça n'apporte pas grand-chose. On l'a vu, on y a cru tant de temps parce qu'on s'est dit, ah, ça fluctuait, c'était plus ou moins bien, etc. On disait, hop, on peut espérer, machin. Puis là, on voit très bien que on part encore une fois vers un échec, encore une fois. Donc voilà. Et l'image, en fait, du coup, de ce club qui n'a aucune en fait ligne conductrice, c'est l'entrée de Marcelin en attaque, qui en plus est peut-être le meilleur attaquant du match des Girondins. C'est ça qui est hallucinant. Mais voir entrer Marcelin en attaque. Mais oui, il a des idées de jeu, Rira, c'est ça. Ouais, non, ça c'est pas l'idée. C'est là, c'est que ça montre bien en fait que t'as plus du tout d'idée, que tu sais plus quoi faire, et tu dis, allez, je tente, franchement, un coup de poker. Allez, ouais, j'en ai plus rien à foutre. Non, mais vraiment, je balance un truc. Allez, tapis, les gars. Allez, tapis. Va mettre ta tête. Je suis fatigué. C'est ça. Pour moi, le poker, j'en ai marre. Mais c'est ça. Mais cette image-là, déjà, franchement, ça montre bien que ce club, en fait, il y a ni. C'est ni queue ni tête en fait ce qui se passe dedans. C'est que ça n'a aucune cohérence, il n'y a aucun fil conducteur. On est encore sur un échec qui est monumental de la part de toute façon de cette direction. Le choix du coach, moi très vite je me suis dit, oula, je ne sens pas trop. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le match sur l'équipe et sur Prime. Alors, l'équipe, ils ont fait une fixette sur Ira, c'est que dès qu'il y avait une réaction, il a commenté, il a insulté la Ligue 2, il a insulté je ne sais pas qui, il a pris le ballon de force dans un ramasseur de balles, enfin auprès d'un ramasseur de balles. C'était une catastrophe. Et tu vois très bien que, de toute façon, de ce que j'ai eu comme écho cette semaine, les médias, ils veulent se faire la peau, ils veulent se faire la tête de toute façon d'Albert Rira parce qu'ils n'en peuvent plus. Et le football français veut se faire la peau d'Albert Rira maintenant, sans oublier la direction. Donc, ce n'est pas les Girondins de Bordeaux qui veulent taper encore une fois. Ce sont les personnes qui le représentent. Et ce qui représente les Girondins de Bordeaux actuellement, c'est ce qu'il y a de pire dans le football. On ne va pas se le cacher. Donc, ce qu'on a vu ce soir, on peut taper sur les joueurs, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, nous, en tant que supporters, on adore ce club, mais ce qu'on voit, on n'en peut plus. Alors, les joueurs, malgré effectivement leur niveau, leur faiblesse, tout ce que tu veux, et je suis d'accord sur le niveau du joueur, de certains joueurs. On l'a vu, Ekomi sur le troisième but, quand même, franchement, ce qu'il fait, c'est quand même pas normal. Mais à un moment donné, il faut quand même se poser la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là depuis 3 ans, dans la continuité de cette direction qui est cataclysmique et qui n'a rien à faire dans le football et qui prend un coach qui n'a rien à faire dans le football français. Point. Et qui s'est foutu tout le monde à dos. On continue. Et qu'il n'y a personne dans l'organigramme du club qui est capable de reprendre des éventuels égarements du coach. C'est-à-dire que ça va loin. On s'interroge si, avant la conférence de presse de jeudi, il n'a pas été un peu recadré. Parce qu'il a fait une sorte de mea culpa sans vraiment le faire et dire qu'il ne parlerait plus de l'adversaire. Mais il faut qu'il fasse vraiment le mea culpa. Je dis non, mais... Mais je me demande si on lui a pas dit. Bon, on va voir là ce qu'il va dire ce soir. Ce qu'il va dire. D'ailleurs, non, si vous voyez les réactions, dites-le-moi, je les lirai en direct. Parce qu'il n'y a pas de président absent. Lopez. Il est présent, mais il n'est pas présent physiquement, mais il est présent. Oui. En tout cas, il gère à distance. Moi, je ne le vois pas, on ne le voit jamais. Donc oui, on ne le voit pas. Nous, on ne le voit pas. Il n'est pas dans le stade ce soir. Il n'était pas dans le stade la semaine dernière. Le directeur sportif est là. C'est lui le boss. Il est en PLS quelque part. Non, mais il n'est pas en PLS. Parce que j'arrête là. Admar, le vrai patron du club aujourd'hui. C'est lui qui dirige ce club en l'absence du président. C'est lui le vrai patron du club. C'est Lopez, tu me dis qui est là. OK, Admar Lopez. Admar Lopez. Lui, il est là. Simplement, il ne parle pas. Voilà, il ne s'exprime pas publiquement. Mais il est là. Il est là, mais ça ne va rien, quoi. Mais je ne vois pas parce que... Si, vous voyez... Parce que Bordeaux est passé d'un club... L'un des clubs les plus respectés en France. Ah oui, okay. Ça, c'est sûr. Depuis les années M6. Oui. Donc, en quoi ça fait 7 ans M6, ça fait combien de temps M6, depuis les années 2018. M6. 2018, ils sont partis. Ils sont partis 2018. Voilà, ça fait 6 ans. Donc, en 6 ans, Bordeaux est passé d'un des clubs les plus respectés en France, aimé, pas aimé, mais en tout cas, un monument respecté du football français, à un club que tout le monde veut se faire. Joueurs, et instance comprise. Et supporters, j'ai envie de te dire, parce que là, ce soir, franchement, on ne va pas les épargner non plus. On est passé de là à ça. Voilà ce qui se passe maintenant. Et on va me dire que c'est le débrief à chaud, et peut-être qu'il ne faut pas partir dans certaines choses, mais
Là, aujourd'hui, quand même, on ne peut plus passer sous silence un certain nombre de choses. Aujourd'hui, Nico l'a expliqué, les filles ont quasiment acté leur descente. Mmh. Nous, nous avons quasiment acté notre non-montée. Je ne veux pas aller dans la descente encore, mais ça, donc, parce que c'était l'objectif. On a quasiment acté la non-montée. Quasiment, il peut y encore mathématiquement. Dans le moins pire des cas, c'est que t'as. Voilà, c'est dans le moins pire des cas. Mais on va dire que pour l'instant, c'est ça qu'on acte, grosso modo. Les jeunes, on n'en parle même pas, c'est la débandade. OK ? Notre image, on vient de le dire, est foulée aux pieds. OK ? Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir parler de tout ça, même en débrief, parce que je crois que c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et là, les fruits sont pourris. Tout ce qui se passe est pourri. Alors, en bout de chaîne, les joueurs font n'importe quoi. C'est vrai. Ouais. Mmh. Je ne veux pas dédouaner. J'en ai parlé des joueurs la semaine dernière. Et tout. Je veux dédouaner personne. Mais on va en parler ce soir. Là, je regardais le match. Croyez-moi, j'avais même pas mal. Les buts s'enchaînaient. Mmh. J'étais comme un zombie. Et d'habitude, ça me pique. Voilà, chaque but, je peste un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce soir, c'est passé comme une lettre à la poste. Et voilà où on en est, quoi. Ça semble comme une forme de fatalité. Et tous, on a l'impression de savoir où on va et on y va. Voilà. Bienvenue dans la thérapie, si vous nous rejoignez. Non, mais c'est ça. Oui. Secta et les gars, on a l'image de, et les supporters, on a l'image de Lopez, quoi. Voilà, quoi. Lopez, il a pourri le club. Mais il a pourri le club. Et le problème, c'est qu'il a trouvé un coach à sa façon, c'est-à-dire qu'il a à peu près le même caractère que Lopez et compagnie. Et pour finir, les joueurs commencent à devenir pareils, quoi. C'est-à-dire que les attitudes, on voit quand il y a dans les matchs, ça des fois ça peut partir un peu en vrille, alors qu'avant c'était quand même un peu plus, on était un peu plus respecté. Là, on est même plus respecté. Que ce soit n'importe quel club, on est plus respecté, quoi. Donc c'est très inquiétant, quoi. On parle du match. On a parlé de l'environnement, on a tout dit sur l'environnement, après on aura le temps d'en parler dans d'autres émissions. La composition d'équipe d'Albert Lira, déjà on voit qu'il fait des changements, il titularise Livolant en numéro 9, il met De Lima latéral gauche, deuxième fois qu'il est titulaire, malgré un match plutôt moyen face à Quevilly la semaine dernière, et il aligne Weisbeck. Aussi. Quelqu'un, Joe, sur la compo du coach, qu'est-ce que t'en penses? Et il prend que 17 joueurs. Ça 16, aussi. 16 joueurs. 16 joueurs. Il peut en prendre 17, il en prend que 16. Non, voilà, il n'en prend que 16. Il en prend que 16, je pense, alors qu'il peut en prendre 18. 6 remplaçants. Ah, d'accord, ok. C'est moi qui me trompe. Ok. Oui. Sur la compo, déjà, te priver de Hypotnik, qui est ton seul vrai attaquant de pointe, je ne comprends pas. Alors. Je pense qu'il avait l'idée, peut-être pour une fois, de jouer un peu plus directement et d'essayer de prendre Annecy dans la profondeur, parce que c'était trois joueurs de... Enfin, en tout cas, Livolant est un très bon joueur de profondeur, et Zubrico sait l'utiliser aussi. Pitou, plus ça va, plus je... Enfin, je comprends pas son retour, en fait, du coup. Donc, voilà, mais moi, c'est dû sans doute au blessé, voilà. Westbeck, pour m'être un petit peu renseigné, devait revenir qu'après la trêve, et là, il revient là. Physiquement, je suis assez surpris du choix. Oui. On a quand même encore 9 matchs derrière, mais il fait son match, hein, quand même, Gaëtan Weisbeck. Et pourtant, oui, il est pas mauvais, hein, mais c'est pas la question. Mais pour moi, ça paraît prématuré le retour. Après, le joueur, il peut dire oui ou non aussi. Après, c'est toujours pareil. Mais moi, le joueur, c'est compliqué. Si on te dit, tu as envie de jouer, je pense qu'il va dire oui. Mais voilà. Mais après, moi, l'idée quand je vois la compo, c'est de se dire, on va essayer peut-être de jouer un peu plus direct, de jouer un peu la profondeur. Mais alors après, c'était juste l'idée quand je vois la compo. Sur le match, je l'ai pas beaucoup vu. Même si c'est les seules fois où on était dangereux en première mi-temps, notamment, c'est quand on arrivait à jouer long direct en sautant de milieu sur l'équipe, il disait très bien Mathieu de Séville, en allant directement chercher les joueurs dans la profondeur. C'est comme ça qu'on marque le but, notamment. C'est comme ça qu'on a la première occasion avec Livolant. Enfin, voilà, c'est. Mais après, le problème, c'est que tu es gêné par ce bloc médian d'Annecy. Au milieu, tu vois personne, encore une fois, que défensivement. Tu prends des vagues, et que voilà, et que heureusement qu'Annecy d'entrée, d'habitude c'est nous qui faisons les bonnes entames de match, là c'était Annecy, et très sincèrement, ils peuvent mettre 2-3 buts au bout d'un quart d'heure et c'est réglé. Heureusement qu'ils sont un peu maladroits, que ça donne un peu de suspense.
Mais ce qu'a fait Herrera, ce n'était pas bon. Enfin, tiens, j'ai une question, Joe. Et le coaching aussi, juste Nico pour finir, vas-y, mais le coaching à la mi-temps. Alors, tu fais sortir de Lima, enfin, de Lima en jaune. Tu fais rentrer combien à sa place, il n'y a pas de problème. Mais sors Pitou et fais monter de Lima. Ouais, franchement, ouais. Et à un moment donné, de Lima est quand même plus intéressant sur le match que Pitou, notamment offensivement. Là, ce choix, c'est pareil, encore une fois. Alors, par rapport au jaune, je peux le comprendre. Et après, comme il fait une erreur, voilà, ça, c'est malheureusement, ce n'est pas la faute de Herrera. Alors, le choix qu'il fait à la mi-temps, bon, alors que tu perds en plus. Faire rentrer Vitotnik, je ne sais pas. Est-ce que quand tu sais que tu as Candil, qui est certainement le meilleur joueur d'Annecy, on l'avait vu au match aller contre nous, qui est le plus technique, est-ce que mettre un joueur dont ce n'est pas le métier défensif au poste de latéral gauche, ce n'était pas prendre un risque? C'est une question. Hein. Alors, il a bien fait de mettre Lima face à Candil, mais on sait que Candil, c'est un des plus dangereux. Ce n'est pas le choix de joueur, moi, que je reproche, c'est le fait de laisser un contre un, alors qu'on sait que sur nos côtés, on est faible par rapport à ça. Encore une fois, c'est là où Herrera pour moi fait encore une erreur qui fait souvent, c'est que sur les côtés, il laisse toujours les Michelin, les Comier, de Lima, peu importe qui est latéral, en un contre un. Et Candil, tu sais que c'est le joueur le plus dangereux, c'est le seul joueur d'Annecy qui est capable de faire la différence seule avec ballon. Donc mets un second joueur, fais une prise à deux sur ce joueur-là, tout simplement, en fait. Et tu verras très bien que si tu l'éteins très rapidement dans le match et que tu coupes les lignes de passe vers ce joueur-là, Annecy ne sera pas trop dangereux de base. Mais sauf qu'encore une fois, t'as l'impression que Herrera ne fait pas attention à ce qu'il a en face. Les coups c'est de pied arrêtés. La condescendance habituelle. Les coups de pied arrêtés, c'est l'une des principales d'Annecy. On prend le même but que contre Odesse. Le mec est seul au second poteau. Tu vois très bien. Il est très bien tiré, leur coup de pied arrêté. Mais... Et il a dit en conférence de presse, jeudi, Albert Herrera, on a travaillé les coups de pied arrêtés pendant 50 ans. Impressionnant. C'est ce qu'il a dit. Quel travail. Après, on a droit d'être bon aussi. Peut-être. Je pense qu'il y a des mecs qui ne se sont pas replacés. Je crois que. À un moment donné, je crois que c'est Pitou qui Pitou, est pas, il est voilà. Qui est pas, ils ouais, sont ils pas. Sont pas Pitou, il est pas au marquage. Alors, c'est-à-dire que Pitou, il va se coller aux deux autres défenseurs centraux qui marquent déjà quelqu'un, donc il va faire non pas doublon mais triplon, hein, tu vois, sur les mecs et triplon. C'est joli, c'est un joli mot. J'irai voir tout à l'heure si ça existe. Soyez solidaire. Et tu vois l'idée. Et alors qu'il laisse un mec tout seul dans son dos. Bon, ça c'est une faute d'inattention. Ça, pour moi, c'est même moins grave que tout ce que je vois quand je dis moins grave dans le sens où bon, le jeu demande faute. Hein. Si personne ne fait d'erreur, il n'y a que des 0-0. Donc là, en fait, c'est une erreur d'attention. Mais moi, ce qui m'inquiète par rapport à Bordeaux, ce n'est pas une erreur d'attention. C'est que j'ai l'impression que il n'y a plus rien, en fait. C'est ça, hein, mon souci. C'est que de temps en temps, il peut y avoir une faute d'un joueur. C'est le jeu. Mais j'ai le sentiment que là, maintenant, là, tout part à volo. C'est-à-dire que les joueurs ne savent plus quoi faire, que de toute manière la dynamique est telle que tout ce qu'ils pourraient tenter ne fonctionne pas. Je sais pas, il me semble que j'ai vu passer un truc comme quoi il n'y a eu que deux tirs cadrés dans ce match ou pour Bordeaux, un truc comme ça. C'est-à-dire offensivement, on est retombé dans le travers qu'on avait avant, c'est-à-dire on pourrait jouer 3 heures, on voit pas comment on pourrait marquer. C'est toujours pareil. On est donc dans cette recherche de maîtrise du match, même si sur ce match-ci, effectivement, il y a eu plus une recherche de profondeur, et de long ballon et de jeu rapide. Effectivement. Après, ceci dit, je rejoins Joe sur le côté que de Lima. Moi, je l'ai toujours. Enfin, je me répète, mais moi, il faut 3 défenseurs dans cette équipe. Il faut 3 défenseurs. Il faut assumer la possession. Il faut l'assumer et libérer vraiment de Lima. Si tu mets un mec comme de Lima, je vois pourquoi tu le mets dans une défense à 4 pour qu'il joue l'arrière gauche. Si tu mets un mec comme de Lima, il faut que tu puisses utiliser sa capacité offensive, sa percussion, sa vivacité et tout. Moi, je crois. Ou alors tu mets et Comier et de Lima, tu vois. Mais il faut trouver quelque chose parce que je pense que c'est mal utiliser les gars. C'est une mauvaise analyse des joueurs qu'on a. Et déjà qu'il y a une mauvaise analyse de l'adversaire, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Ne pas avoir compris quelles sont les qualités de tes joueurs et comment les utiliser. Je persiste à dire que le coach ne sait pas utiliser nos joueurs. Et il a une idée de ce qu'il veut faire. Il se fait une idée de ce que c'est que de jouer en Ligue 2 française. Mais je ne vois pas de pragmatisme dans son attitude. Il n'arrive... Ou alors à la marge. On me dira que oui, là, il l'a fait, mais c'est à la marge. Voilà, c'est un vrai souci.
Tiens, Joris, avant de te donner la parole, on a fait un triplé, les Girondins de Bordeaux. Alors après, défaite des féminines, défaite de la Ligue 2 et défaite de la réserve à Bayonne, 2-1, avec voilà, l'équipe réserve qui se dirige aussi vers une descente en Régional 1, comme la saison dernière où elle avait été repêchée finalement. Là, c'est pas sûr qu'elle soit repêchée, ce serait une petite catastrophe que cette équipe descende. Voilà, donc, dans voilà un club normal, il se passerait des choses après un week-end comme ça quand même, normalement. Le responsable du sportif, hein, qui gère tout ça, qui chapeaute tout ça, c'est Admar Lopez. Voilà, je le rappelle, hein, c'est lui, directeur sportif du club. Joris, sur Ira, tu veux rajouter quelque chose et après on va passer aux individualités et aux joueurs. Non, non, enfin, c'est en lien avec les individualités et les joueurs. Hein. Voilà, je parlais de Diaz, que j'ai le sentiment qu'il est bridé. D'un autre aspect, d'une autre forme, j'ai l'impression que des joueurs comme Barbé, comme Bokele, comme Johnson, sont bridés aussi dans le sens où tu sens que ça leur fout les boules de perdre quand même. C'est les seuls mecs sur le terrain où tu as l'impression que ça leur fout quand même les boules, même si Barbé, pour le coup, techniquement, voilà, il n'est pas au point, on reviendra après dessus. Mais c'est des mecs, je pense, ils ont besoin, au moment que dans le vestiaire, on leur dise « c'était nul », quoi. Ils ont besoin, ces mecs-là, je pense, d'un coup de pied au cul. Parce que c'est comme ça, c'est dans leur nature, ils ont besoin de voir la vérité en face, ils ont besoin qu'on leur dise les choses, parce que au final le discours du coach, en tout cas nous de ce qu'on voit dans la communication, il est à l'opposé de ce que ressentent des mecs comme Barbé, comme Johnson, comme Bukele, qui se disent que c'est pas normal, qu'il faut faire mieux, qu'il faut donner plus, et non, et au final t'as le discours du coach qui, ah, ça va dans le bon sens, on progresse. C'est pas nous, c'est les autres. Non, c'est des mecs qui n'ont pas besoin de ce discours-là, qui ne peuvent pas l'entendre. Je comprends qu'ils soient frustrés. C'est un complet décalage, à mon avis. En tout cas, moi, ce que je ressens, et ce que ressent la plupart des supporters, on le dit, les conférences de presse d'après-match, c'est inaudible ce que dit Riera. J'ai inaudible. Pas encore sa réaction. Hein. J'ai pas vu si. Je ne sais pas sur ce match-là. Bon, après, ce qu'il va dire, mais bon. En même temps. On n'attend plus rien de ces réactions. Est-ce que quelqu'un attend quelque chose de ces prises de parole aujourd'hui? Mais alors, tu penses à qui? Tu dis qu'il faudrait leur dire la vérité. Vu que Hira lui-même est à côté de ses pompes et qu'on n'entend pas parler de Lopez, qui va venir leur dire la vérité? Ah, mais il n'y a plus personne. On a dégagé au club toutes les voix dissidentes. On a dégagé toutes les voix dissidentes. Il n'y a que les joueurs qui peuvent faire quelque chose de toute façon maintenant. Il n'y a plus que les joueurs qui disent une vérité dans ce club. Comment on fait? Ils se sont créés un petit monde, tu sais? Un petit monde à eux. Oui, oui. C'est jusqu'au sommet de la pyramide, il n'y a personne qui pourra faire bouger les choses. Là. C'est... Voilà, parce que tu viens de dire on va comme ça jusqu'à la fin de la saison. Justement. Enfin, qui pourra que... Si, il y en a qui pourraient. Encore faut-il qu'ils aient voilà, mais après, faut-il savoir le faire, avoir les moyens de le faire et avoir envie de le faire. Non, ça, mais moi, je parle de qui courage. A eu un impact dans l'organigramme. Il y a des gens qui sont autour du club et qui sont légitimes de le faire. Mais il y a des salariés. Je pense qu'ils ne pourraient pas aller sur le pour rien. Oui, non, mais il y a des gens qui sont légitimes. Je ne donnerai pas de nom, mais ces gens-là ne pourront rien faire. Même s'ils y vont, ils n'ont pas de rôle précis dans l'organigramme qui leur donne le pouvoir au-delà de la légitimité qu'ils ont. Donc, ce serait un coup d'épée dans l'eau. Et ce qui pourrait en plus, par rapport à vu comment ça fonctionne dans le club, les mettre en porte-à-faux avec la direction et se faire dégager aussi. Puisque c'est comme ça que ça fonctionne visiblement. Mmh. Donc, personne, il n'y a que des coups de bâton à prendre, en fait, en parlant. Il n'y a que des coups de bâton à prendre. Il faut avoir du courage pour faire ça. Mais la direction devait savoir que dans un management de qualité, c'est une erreur. C'est une erreur importante de créer un tunnel comme ça, de petit monde, comme tu as dit, un petit monde où tu n'as aucune voix dissidente. Les voix dissidentes ont un bénéfice, c'est-à-dire qu'elles peuvent te rappeler, elles peuvent mettre le doigt là où ça fait mal, elles peuvent te rappeler certains... Ce sont des garde-fous, il faut conserver des garde-fous. Et ces gens-là n'acceptant pas la contrariété ou la contradiction, ben voilà où on en est. Voilà où on en est. Ouais, bon, on a tout dit sur Albert Hira, son coaching défaillant, ses tests qui ne fonctionnent pas et sa préparation d'équipe qui n'a pas fonctionné ce soir, puisqu'on s'est fait manger dans tous les secteurs de jeu. On aura les chiffres demain sur Web Girondin avec le Data Girondin. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sociaux, devenez sociaux, on a besoin de vous.
pour vous apporter toutes ces informations autour du club, des informations pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passe et pour analyser. On va parler maintenant des individualités, puisque ça fait mine de rien 45 minutes qu'on est déjà ensemble. Les individualités, est-ce que vous voulez ressortir ça sous la forme Grand Cru Piquet ou avant de faire ça, est-ce que vous voulez parler d'individualité? Par exemple, on peut se concentrer sur Johan Barbet, le capitaine de l'équipe en premier, qui a fait un match complètement raté. On avait l'impression qu'il n'était pas concentré, Joris. Est-ce que ça t'a surpris? Je pense que c'est un de ses plus mauvais matchs avec Bordeaux. Surpris, oui, un peu quand même, parce que c'est un mec, t'as tendance à... Enfin, c'est le capitaine déjà, par l'image qu'il doit avoir auprès de ses coéquipiers. Et j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un métronome. Alors, c'est plus le même métronome que l'année dernière, quand même, il est plus irrégulier. Mais là, il est vraiment tombé bas sur ce match. Après, ça arrive de rater un match. Je vais pas lui jeter la pierre, mais voilà, je vais pas relancer sur ce que j'ai dit. Je pense que dans les têtes, lui, il y est pas du tout. Il y est pas du tout. Le discours va à l'encontre de lui, ce qu'il ressent certainement. Il sait que tout le bateau prend l'eau dans tous les sens et que à côté de ça, on est en train de te dire que non, on va dans le bon sens. Et voilà, tu réécoutes Ignatenko en conférence de presse, il parle encore de la cinquième place. Barbet, déjà en conférence de presse d'après-match face à QRM, il a sonné un peu le signal d'alerte en disant bon, la cinquième place c'est bien gentil, mais on est en train de se faire surtout rattraper par derrière et c'est là qu'il faut regarder. Donc voilà, quand à l'échelle d'une semaine, tu as deux discours comme ça entre un qui te dit ouais, la cinquième place et l'autre qui te dit non, on est en train de prendre l'eau. C'est que tout le groupe n'est pas du tout au même diapason sur les objectifs, ne serait-ce que ça. Donc voilà, et peut-être il a lâché mentalement, et oui, ce sont des joueurs pros, oui, ils sont bien payés, etc. Mais il y a un moment, je pense, c'est aussi des humains, et quand dans la tête, tu te sens pas bien parce que ce que tu entends et ce que tu ressens sur le terrain, ça n'a rien à voir, c'est compliqué. Après, ça n'excuse pas de rater des passes et tout, mais j'ai pas envie de lui jeter la pierre, franchement. Ok, tiens, Herbert Herrera qui a dit, c'est un extrait de Beansport, c'est un match catastrophique dans tous les sens ce soir, défensivement et offensivement. C'est notre pire match. Bon, c'est bien, il est lucide. Ah, ben, au moins, il est réaliste. Il s'inclut dedans. Ouais. Aussi. Il s'inclut dedans. C'est bien. Il dit, c'est notre pire match. Ouais, il s'inclut dedans. Tout à fait. Sur Barbet, vous voulez dire un mot sur l'individuel? Est-ce qu'il y a peut-être un autre joueur que vous voulez? Par rapport à Barbet, juste Nico, moi je trouve qu'il y a un moment donné où tu vois très bien qu'il porte beaucoup de choses dans ce club, c'est souvent lui qu'on envoie après les matchs, etc., par le micro, etc. Donc il y a un moment donné, quand tu portes trop de choses sur tes épaules, il y a un moment donné, et quand tu sens qu'il n'y a rien qui avance, à un moment donné, tu lâches aussi. Moi franchement, le match de Barbet était à l'image de ce que je ressentais tout au long de cette semaine, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche. Et malheureusement, il a tellement fait le pansement sur beaucoup de choses qu'à un moment donné, quand le pansement n'est plus là, tu vois très bien que... là c'est n'importe quoi et que tout s'ouvre donc voilà. Et moi ce qui m'inquiète un petit peu effectivement, c'est que je ne crois pas en Gérard Lopez, ni en Marc Lopez, ni en Albert Herrera. La seule chose en fait qui me reste dans ce club à l'heure actuelle, c'est les joueurs, pour me dire allez les joueurs, faites quand même l'effort de qu'on puisse se maintenir déjà tranquillement et puis après on verra. Mais ça va être aux joueurs de faire quelque chose maintenant, on n'a pas le choix. Il y a que maintenant sur qui on peut compter, et notamment des Johan Barbet, des Vitality, même s'il est blessé, mais dans ce rôle effectivement de grand frère dans le vestiaire, des Westbeck, des Divolans, même s'ils ne sont pas bons cette saison, on connaît leur qualité. Ailleurs, on les a vus, et on sait que ça a été des joueurs qui ont été des capitaines dans leur équipe. Donc c'est aussi à ce moment-là aussi à ces joueurs-là de se réveiller, de se dire, bon, le coach, il nous dit ce qu'il a à dire, mais nous après on fait en fonction de ce qu'on a à faire, la direction. Ben écoutez, ils nous payent à la fin du mois, mais très sincèrement, comme ils ne sont pas là, c'est nous qui portons maintenant un petit peu le fardeau. Donc, à nous de bien faire au moins les choses. Au moins, si ces joueurs-là aiment au minimum le foot, tu ne peux pas avoir la Girondins de Bordeaux en national. C'est juste ça qu'il faut se dire. Donc, il faut que ces joueurs-là se réunissent et se donnent les moyens de finir honorablement la saison. Parce que là, on ne parle même plus de monter ou quoi que ce soit. C'est juste de finir honorablement pour se dire on a évité la catastrophe parce que... On commence à s'inquiéter quand même, grandement, de la catastrophe, on ne va pas se le cacher. Et il n'y a que les joueurs, encore une fois, qui peuvent faire quelque chose maintenant. Et ça, je leur dis, droit dans les yeux, je compte sur vous, s'il vous plaît, ne nous faites pas une énième catastrophe, je vous en supplie. Aidez-nous juste à finir honorablement la saison, et après on verra.
on fera le point après, mais peu importe le niveau que vous avez, etc. Et tout, peu importe les idées que vous avez, après ce que vous voulez faire derrière, mais il y a une saison à finir. Finissez-la correctement. C'est tout ce que je demande. 8 points, il faut. Hein. Il faudrait 45 points. Hein. Ok, sur les joueurs, c'est ce que tu souhaitais dire. Sur les joueurs, sur l'individuel secteur. C'est le marasme général. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Non, mais ce soir, sur les prestations, il y en a quand même. Je retire Ignatenko quand même, parce que moi, je trouve que on aurait 11 Ignatenko, bon, on n'en serait pas là. Au moins, lui, c'est un mec qu'on sent que lui, il a horreur de la défaite. Lui, ça se sent. Il s'embrouille avec tout le monde. Il va tacler de partout. Il est absolument dans le don de soi. Bon, enfin, en première mi-temps, on ne l'a pas vu. Hein. Non, mais c'est le marasme pour tout le monde. J'ai commencé par dire ça. Après, il faut parler d'un joueur. Hein, parce que j'ai commencé par dire ça. Hein. Pardon, excuse-moi. après, je dis, bon, voilà. Si je dois avoir une pensée pour un joueur, je dirais Ignatenko, parce qu'au moins son attitude est celle qu'il faut quoi, en Ligue 2. Mais il est trop seul. Il ne peut pas. Il est trop seul. Et déjà qu'il est limité quand même, il faudrait plus de gars qui soient dans cette veine-là, qui se disent, bon, écoute, je vais au charbon, quoi. Je vais au charbon. Et là, c'est pas possible. Personne aujourd'hui ne trouve vraiment grâce à mes yeux. Bon, Johnson, on ne peut rien dire, il nous a déjà tellement sauvés. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Johnson. Voilà, personne, tout le monde est passé absolument à travers aujourd'hui. Et il n'y a personne qui peut être sauvé, du banc, du coach, au joueur. Il n'y a rien à dire. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a un prochain match, et maintenant il va y avoir 15 jours. Et c'est là où ça va gamberger, parce qu'on sait qu'en plus, cette trêve de mars, c'est là où il y a les agents qui commencent à contacter les clubs et les intermédiaires. Ça se contacte. Là. C'est maintenant que ça se fait pour le mercato. Attention au match du PFC. Attention. qui va nous attendre de pied ferme, même si c'est eux qui viennent. C'est à Bordeaux. C'est eux qui viennent, mais qui, selon l'expression consacrée, qui va nous attendre de pied ferme, c'est-à-dire que maintenant tout le monde a compris la technique. On joue bas, moyen, bas. On joue moyen, bas, puis ensuite on attend l'erreur. S'ils font pas l'erreur, on peut aller les prendre dans le dos quand même. Soit Bordeaux fera l'erreur, soit on pourra les prendre dans leur dos. Voilà, en transition. Je veux dire, c'est pas difficile hein, de jouer contre Bordeaux. C'est très classique, c'est très prévisible. Joue à plusieurs reprises dans ses analyses pré-match, l'avait dit. J'ai un grand respect pour le travail de Joe, mais je me permets de dire quand même que si Joe le dit, je pense que les autres doivent pouvoir le voir aussi quand même. J'ai envie de dire, c'est leur métier. Personne ne réagit. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire, tout à l'heure, il y a Carole. Vous voyez, Carole qui a dit ça tout à l'heure sur le chat. Donc, on n'a pas d'argent, mais on n'a pas d'idée non plus. Voilà, ça craint. Comment on va s'en sortir? Ça veut dire qu'on n'est même pas capable d'anticiper, d'essayer d'innover, de comprendre l'adversaire, de mettre des pare-feux, de rien. C'est très inquiétant. Et je suis, croyez-moi, on ne le dirait pas comme ça depuis quelques matchs, un mec super positif. Mais là, c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer. Oui. Pour compléter ce que tu dis, en plus, tu as dit les équipes adverses ont trouvé la technique et maintenant pour nous battre, mais il n'y a pas qu'une technique en plus, parce que je trouve que Annecy fait un match très différent de ce qu'on a vu face à QRM. Ils sont venus nous chercher. Autant voilà, QRM s'était annoncé, on va jouer en contre, on attend bas. Autant Annecy s'est dit non, on part à l'assaut et on va mettre un gros pressing. Et ils l'ont tenu pendant près de 80 minutes, leur gros pressing. Et c'était une façon de jouer complètement différente, mais c'était tout aussi compliqué pour nous de réagir. Donc il n'y a pas qu'une seule technique, c'est-à-dire soit eux, tu vas presser Bordeaux et ça fonctionne. Ouais. Ils ont pressé en misant sur notre erreur. Complètement. Ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on n'a pas une. Comment dire, l'équipe qu'on a actuellement n'a pas joué qui n'avait pas joué le maintien quand on était en Ligue 1. Il n'y a aucun joueur qui a joué le maintien il y a 2 ans. Et moi, je ne sais pas si, personnellement, cette équipe
franchement, et peut se maintenir. Quand on voit. Alors, tu as Weissbeck l'année dernière hein, qui a joué le maintien avec. Ah non, ils n'ont pas joué le maintien. Non, ils jouaient la montée. Ils jouaient la montée, mais ils se sont écroulés. Et voilà. Je me demande si Weissbeck et Livoland l'ont pas déjà joué avec leur club respectif. Guingamp. Il y a des saisons assez compliquées ouais, à gagner à Sochaux. Les saisons passées, ouais. Donc, ah bah, attendez, les gars, mais on n'est pas capable de jouer la montée. On n'est pas capable de jouer la descente. De jouer le maintien. Je veux dire, on va jouer quoi ouais. Bah attends, et tu veux que je te dise, juste pour la blague. On n'est pas au niveau pour jouer le maintien. Moi, j'attends que les gens me disent non, mais on a une équipe taillée pour jouer la Ligue 1, pas pour jouer en Ligue 2. Ouais, c'est ça. Déjà, les trucs passer, j'ai vu ça passer dans des brèves ou dans des trucs. Sur le papier, peut-être, mais dans les têtes, non. Mais ce que je veux dire, c'est que cette équipe, c'est qu'on n'a aucun joueur, si tu veux, quand on est en Ligue 1. C'est ça qui m'inquiète le plus. Parce que pour jouer le maintien, il faut avoir quand même un peu d'expérience. Et dans cette équipe, tu n'en as aucune qui a d'expérience. Et tu as un coach inexpérimenté. Et tu as une direction qui est non plus qui est inexpérimentée puisqu'elle nous a fait descendre en Ligue 1. Donc... On va, voilà quoi. Et après, il n'y a pas, comme disait Joe, il y a un moment donné, il n'y a pas de solidarité dans cette équipe. T'as plus de. Quand tu vois, par exemple, Barbé, il ne hurle plus avec les joueurs. C'est plus le. Il est cramé là. Il peut pas tout faire. Il est usé. C'est à l'image cramé dans le champ de l'ambiance qui règne dans ce club. C'est à l'image. Croyez-vous, ils vont se battre pour quoi ? Quand, je ne sais pas moi, tu es sur un bateau, tu peux écoper. Écoper pour sauver le bateau. Mais le bateau est en train de couler. Chacun cherche une barque pour se barrer. Je veux dire, c'est même pas méchant. Non, je répète, c'est pas méchant envers les joueurs où je veux accabler personne. Maintenant, on en arrive au stade parce qu'on n'en est plus là, en fait. On n'en est plus là. On peut, même là, on a parlé de la direction, tout ça. Bon, on n'en est plus là. Maintenant, c'est factuel. C'est factuel. Les filles vont descendre. Les jeunes vont descendre. Les pros sont en grosse galère. Donc, là, c'est un bateau qui coule. Les joueurs, certains ont un peu plus de caractère que d'autres pour se battre, mais grosso modo, en plus, on a une des équipes les plus jeunes, il me semble. Donc, le grosso modo, les mecs sont dans le marasme psychologiquement aussi. Messieurs, on va pas. Bon, je pense qu'on a tout dit. Je vais juste vous demander votre piquette du soir. Pour vous, je vous demande pas le grand cru, hein, il n'y en a pas, j'imagine. Juste la piquette du soir. Joris, ta piquette, c'est qui ? Oh, c'est compliqué d'en sortir. tu as le choix. C'est l'embarras du choix. Je vais mettre David Ashvili. Allez. Et pourquoi ? Bon, par contre, il faut argumenter. Oui, bien sûr. Ouais, non, je trouve qu'on l'a très peu vu. D'habitude, où je trouve qu'il fait les efforts défensivement. J'ai trouvé Michelin assez en danger sur son côté. Mmh. Voilà, il était peu couvert par David Ashvili. Bon, dans l'impact, je trouve ça toujours aussi mauvais. Il va toujours s'empaler sur les défenses adverses. Enfin, quoique moins, puisque là, il n'a même plus tenté de dribbler. Il tente plus rien maintenant. Donc il est fantomatique et il apporte rien au jeu. Enfin, il a rien apporté en tout cas sur ce match-là. Donc, allez, à chaud, je mettrai lui. Ouais. Johan, merci Joris. Ta piquette, c'est qui ? Moi, ma piquette, c'est Michelin. Par rapport à son arrogance, quand le mec il tombe constamment, il va voir l'arbitre, il demande des fautes. Et moi, ça commence un peu à me gonfler, que ce soit lui, que ce soit certains autres joueurs. D'abord, battez-vous pour le club, battez-vous pour les supporters avant de commencer à pitoyer, à faire ça. Quoi. C'est pour ça que ça m'énerve. Donc, moi, je vais mettre Michelin pour ma piquette. Pour l'attitude. Okay. Pour l'attitude, tout à fait. Secteur. C'est une œuvre collégiale. Hein. Allez sur le chat aussi, dites-nous. Hein. Moi, depuis quelque temps, je suis très déçu de Diaz. Je ne m'acharne pas sur lui, mais à la hauteur de l'espoir qu'il a fait naître chez moi, il y a une déception profonde qui a pris la place, quoi. Une déception profonde. Je le trouve
absent des débats. Il est absent qui des ça débats. Qui ça j'ai zappé. Dias. T'as dit qui Dias. 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 Pedro Dias. Il n'est pas à propos, il est à contre-temps physiquement. Il est à la rue. Un joueur comme lui ne peut pas exister dans le championnat de Ligue 2 française. Il est trop limité physiquement. Il ne peut pas exister. Il ne résiste pas au choc, il ne résiste à rien. Et quand il est sous pression et qu'il faut jouer très vite en une touche, il ne peut pas. Il faut qu'il touche 4 fois le ballon. Donc non, non, non. Lui, ouais, il y a lui. Et puis, ouais, moi aussi, David Achvili, ça commence vraiment à m'exaspérer, quoi. Ça commence vraiment, c'est un tout droit. Lui, c'est tout droit, toujours tout droit. Et il n'y a pas de subtilité dans son jeu. Je veux dire, c'est grosso modo, quoi. C'est... Mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, je répète, quand je remets ça dans le contexte général, ben, je pense que c'est un marasme général. Okay. C'est ça, je, ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Joe, ta piquette. Ça va être un comble pour un Bordeaux, mais c'est les Girondins de Bordeaux, tout simplement. Hmm. Globalement, en fait, ce qu'on a vu ce soir, c'est à l'image du club, à l'image de ceux qui gèrent le club, de celui qui fait la composition d'équipe. Donc, les joueurs, beaucoup, ne sont pas au niveau. Des Pitou, c'est une telle grosse erreur d'avoir recruté ce joueur-là, par exemple. Je ne vais pas marcher dessus, mais à un moment donné, quand on te dit clairement que le mec ne se donne pas à fond dans les entraînements, tu te dis, mais ce qu'il fout dans un club de foot professionnel en France. Des joueurs que j'avais vus plutôt brillants, comme Nivolin Westbeck, tellement à la rue cette saison, Barbé qui donne tellement pour ce club, qui malheureusement ce soir était au fond du seau, Johnson qui nous a sauvés tellement de fois qu'il ce soir malheureusement n'a rien pu faire. C'est pas surprenant, mais c'est à la fois triste parce qu'on se disait toujours qu'à un moment donné, on allait quand même réussir à faire quelque chose, à relancer quelque chose et pourquoi pas repasser au moins dans les 10 premiers. Et à l'arrivée, on se rend compte que les craintes qu'on avait, en tout cas mes craintes que j'avais depuis plusieurs mois, sont toujours là et que le changement de Rira pour Guillaume, enfin de Guillaume pour Rira, pardon, ça a strictement rien changé parce que ce club est tellement cataclysmique dans sa gestion et dans ses moyens qu'il se donne pour avoir de l'ambition. C'est-à-dire, de toute façon, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien qui marche dans ce club, c'est pas compliqué. Donc, t'as l'impression que les seules idées, c'est l'argent que tu as dans ce club. Donc, quand tu as un club qui est sans idées, sans passion et sans compétences, ben, tu en es là. Voilà. Donc, bravo les Girondins de Bordeaux pour ce soir, en tout cas. Pour cette saison 2024, j'ai vu Grand Cru, j'ai vu Piquette, Château du Vaillant 2024. Pas mal. On pourrait mettre la 2021, 2022 aussi. C'est un comble, quand même. On est à Bordeaux. On peut que citer 10 piquettes ce soir, alors qu'on est à Bordeaux. C'est un comble, ouais. Quand même. Allez, je dis salut à La Réunion. Je sais qu'on nous regarde à La Réunion, la Martinique. Claude, qui est là, Marcelin. Je salue tous ceux qui nous regardent depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis la France, le depuis Mexique, Bordeaux. J'ai vu. Depuis le Mexique aussi. Salut à tous. Ça fait vraiment plaisir qu'on soit ensemble. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous soutenir en devenant sociaux si vous le pouvez. Messieurs, est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter avant qu'on conclue cette émission ? Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Non ? On a tout dit ? Bon repos, vu qu'on a une trêve quand même. Ça va peut-être nous alors, on a une trêve. Lundi soir, talk. Avec un invité, Pierre Parsa, qui a écrit un livre sur les Girondins. Donc, on le reçoit. Il sera là. Donc, soyez là. Je suis en train de le lire. Je n'ai pas fini. Il faut vite que faut que je le finisse. Moi aussi, je vais pas. Demain, je finirai demain. Voilà. Donc, soyez là. Ça sera intéressant. On fera bien sûr retour à froid sur ce match. Et on développera peut-être le sujet de la possible vente du club, puisque Sud-Ouest a sorti toujours l'intérêt du duo Kouchi-Benabou pour racheter les Girondins. Oui. J'ai une dernière petite chose, s'il te plaît, Nico. Oui. Je crois sincèrement qu'il serait peut-être temps maintenant, à ce stade-là, il y a la trêve, de recalibrer le message du club. Je les exhorte à le faire et à enfin dire qu'on joue le maintien, quoi. Je pense que ce serait un cap important d'enfin dire. Je sais que ça écorcherait certaines bouches parce que bon, c'est comme ça que c'est le club est fait, mais je ne veux pas lancer de pique sur le sujet. Nous aimons tous les Girondins, malgré nous-mêmes les commentaires qu'on peut faire qui des fois sont piquants, mais notre seul objectif, c'est
les Girondins de Bordeaux. Et là, je crois que il est temps, je l'appelle de mes voeux, je les exhorte à le faire. Je crois que s'ils veulent comme nous le bien des Girondins de Bordeaux, il est temps de modifier le discours, de modifier le logiciel, d'intégrer dans la tête de tout le monde et surtout des joueurs que maintenant, c'est le charbon. Il faut sauver les Girondins de Bordeaux. Et qu'il n'y a plus que ça maintenant en tête. Il n'y a plus que ça en tête. Le reste, c'est que du bonus, en fait. Il ne faut plus viser le reste. Il faut viser le maintien des Girondins de Bordeaux et changer de logiciel. Sinon, et préparer la saison prochaine avec les mêmes personnes. Non, mais déjà finir celle-là. Déjà finir celle-là. Oui, mais après avoir fini celle-là. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. On va au-devant de belles déconvenues. Allez, 9 matchs, 27 points. On y croit. Est-ce qu'on accepte la carte vitale? Non. Par contre, tu peux tenir sociaux si tu veux. Alors, c'est pas remboursé par la Sécu. Mais tu as 1 euro le premier mois et tu auras des articles exclusifs. Comme cette semaine, on a eu l'interview de Mathieu Chalmé, par exemple, et des stats que vous n'avez pas ailleurs. Voilà, et qui sont analysés notamment avec Data Girondin, plus les vidéos que nous faisons. Allez, je mets le lien. J'en ai pas trop parlé dans cette émission, mais si j'en parle pas. Personne ne va faire la pub à la place, donc j'en parle. Donc voilà, je vous mets le lien, les amis. Non, la thérapie, puis regardez, 1 euro le premier mois, les amis. Ça nous aide à préparer toutes ces thérapies et on en aura besoin. En tout cas, lundi, on vous prépare une émission. Demain, les articles avec le Data Girondin et l'analyse des statistiques avancées du match. Et si vous êtes sociaux abonnés sur Tipeee, allez voir la masterclass sur l'initiation à la data qu'on a fait jeudi. C'était très intéressant. Et si vous devenez sociaux, vous y aurez accès. Donc voilà, ça vous permettra. Voilà, on a passé une heure avec Daniel de la société Data Foot pour développer certaines analyses de situations de jeu avec les chiffres. Voilà, donc c'est super intéressant pour réfléchir sur le football et son analyse. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci Secta, merci Johan, merci Joris, merci Joe. À lundi, prenez soin de vous et allez Bordeaux. Ciao. Allez Bordeaux. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Merci et sociaux. Merci. Et promis, je refais le générique pendant la trêve. Bonne soirée à tous. I used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Got all guys already scared, but I'm aware that you're special. So let me take you somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach ya how to open up real nice, baby.